Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il m'a rien dit. De quoi? Je l'ai dit, j'étais comme ça. Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va faire que des exercices bizarres. Ah. Mais vas-y, la vidéo, elle peut pas commencer comme ça en fait. Aujourd'hui, on a prévu une séance bizarre. Ouais. Parce qu'on n'aime pas faire juste. Vas-y, aujourd'hui, on fait une séance d'eau. Aujourd'hui, non, c'est du vu et revu. Nous, c'est Fitness Fusion, c'est for c'est fun. On voit qu'il y a pas mal de trucs qui se passent sur TikTok en ce moment. Beaucoup trop de choses, même. Ouais. Des trucs vraiment. Des exercices bizarres, ils inventent des trucs. Voilà. Donc, on s'est dit, nous, on était capable de faire ça. Et encore mieux qu'eux. Donc, on a choisi 5 exercices pour faire une séance PEC. Et des exercices que vous connaissez pas. Des exercices farfelus. Certains utiles, d'autres non. Sa mère. On vous donnera notre avis sur chacun des exercices. Vous allez apprendre des nouveaux exercices pectoraux dans cette séance. C'est sûr qu'ils les ont jamais fait, ceux-là. La majorité, ils les ont jamais fait. Peut-être quelques power qui en ont un ou deux, mais ça s'arrête là. Ah, parce qu'il y a quand même des petites pépites dedans. Et on va tester ça. On va faire une grosse séance pectoraux. Grosse séance, je sais pas, mais on va faire une séance. Bon, c'est parti. Frère, mes pecs vont exploser. Je crois que tout le monde, il bench 185. C'est pas que je veux pas le faire, c'est que ça m'encule l'épaule en fait. Il m'a fait peur, je me suis dit putain, je suis devenu nul au bench. Comment t'as fait pour faire 13 reps? C'est vraiment la séance la plus bizarre de toute ma vie. Tu m'as dit que ça s'appelait du Sven Press. Ouais, mais je crois que ça s'appelle du Sven Press quand tu le fais debout. Non, on va le faire allongé. Ça n'existe pas debout. Bah si, mais le problème c'est que t'as aucune gravité, c'est plus tes épaules que tu vas sentir. Hein. Vous le connaissez sûrement cet exercice, les gars, il y en aura des meilleurs juste sous derrière. Le nom donc de restez bien press, là. Ils doivent le connaître. Et le connaissent sous le nom du squeeze press. Donc on va le faire avec des disques. Ouais. Et ça, c'est un exercice que Nassim Sani kiffe. Parce que c'est vraiment travailler au ressenti musculaire et tout. Mais en vrai, il y a beaucoup mieux à faire. Nous, on va s'en servir comme en mode très fatigue. Voilà. En gros, on a choisi des exercices bizarres, mais on va essayer quand même de faire une bonne séance avec. Donc là, on va essayer de le faire en fatigue, voir ce que ça donne. 20 répétitions, tu vois. 3 séries, 1 minute de repos, 1 minute 30 maximum. Ouais, on tourne à deux, quoi, en gros. Voilà. Je peux te donner mon avis sur l'exo direct, là, d'entrée de job, parce que je vais te dire direct. Oh, tu peux dire que c'est de la merde. C'est, clairement de la merde, c'est clairement de la merde. Hein. Mais on va voir ce que ça donne. C'est en gros, ça, c'est un exercice de merde d'un mec qui s'appelait Sven Carlsen. C'était l'homme le plus fort en 2001. Et il faisait ce genre d'exercice. En 2001, à mon avis, il n'y avait pas trop de niveau au niveau force. Mais même en muscu tout court. Donc, on va voir ce que ça donne. Pré-fatigue, on le fait avec des disques de 10 kilos, du coup. Première série, c'est parti. De toute façon, ça va être léger. Je pense pas qu'on risque de se blesser. Hein. On peut avoir l'impression que c'est un bon exercice parce que en faisant ça en fait je vais contracter mes pectoraux, tu vois. Si vous serrez vos deux pommes de main, même chez vous là devant l'ordinateur, vous serrez vos deux pommes de main, vous allez sentir la contraction des pectoraux. Mais franchement, vas-y, je vais donner mon avis après, je vais essayer d'être focus. En fait, ça va pas du tout dans le sens des fibres, c'est ça le problème. J'ai l'air ridicule, gros. J'espère pas que dire vous le faites contraire, pas hein. Ça chez vous. Attends, fais pas genre c'est dur. Hein. Non, faut vraiment essayer de focus, tu vois. On va essayer de bien le faire. 20 répétitions, bien sentir les pecs. Je sens quand même la contraction, tu vois. Ça paraît léger quand même, mais c'est de la pré-fatigue, y a pas besoin de mettre lourd. Étonne que ça te paraît léger. C'est vraiment ça, je pense, ça peut être utile si t'as du mal à ressentir tes pecs. Et encore. Moi, je pense que c'est pas utile. Ah non, y a beaucoup mieux à faire en fait, c'est ça le truc. Comment tu fais? Mais là, je les sens congestionnés. Après, moi, j'ai point fort pec. Mais là, je les sens. Lui, il peut faire du curl, il va sentir les pecs de toute façon. Bon, moi, je vais les prendre comme ça, c'est mieux. Alors là, les gars, on est à Fitness Park Arras, c'est là où je m'entraîne. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils montrent en vidéo, ce gars-là? Tu vois, ils voulaient venir à mon Fitness Park, je lui dis non, va au tien. Voilà. Ils vont tous se dire qu'on fait de la merde sur YouTube. Mais les gars, derrière, c'est encore pire. Baisse la tête. Bah baisse ta tête. Non, j'aime trop moi. Je bench comme ça alors que je devrais pas, mais j'aime bien. Tu fais un exercice bizarre. Alors si en plus t'es comme ça. Je regarde mais je sens bon, rien. On enchaîne, en fait. Hein, on avait 10 minutes de repos. Ouais. En fait, je me suis dit peut-être si je regarde mes pecs, ils vont mieux se contracter, mais non. Bon, la séance on l'a fait. On donne notre avis à la fin. Et essayez-la quand même. Dites-nous ce que vous en pensez. On vous donnera tous les exercices temps de repos et tout. Et le problème c'est que ne vous fiez pas à sa congestion et son ressenti, puisque n'importe quel exo il fait sans les pecs. Je suis sûr que là ils sont gonflés, gros. Voilà, tu vois. À la fois il faisait du leg extension, il m'a dit putain, je sens trop bien les pecs. C'est mieux comme ça, non? Tu te vois en tenir 3 comme ça? Tu veux qu'on essaye? Non. Frère, mes pecs ils vont exploser. Tu vois quand Essan il dit contracte. Ouais, contracte ouais. Bah, j'ai la même sensation, gros. Ah, moi j'ai rien, aucun ressenti. Oh. Franchement rien, zéro. Ah oh. Oh, ça brûle. J'ai l'impression de faire l'exercice de Essan comme ça.
Quand tu vas voir la vidéo, tu vas te dire, mon Dieu, quel exercice de merde. Ah ouais, non, c'est un exercice qui sert à rien. C'est pas avec ça que je vais prendre du muscle, les gars. Ça, c'est clair. Mais avec ça, je ressens mes pectoraux. Après, si tu veux les ressentir, ben, à vide, tu les serres, tu vas les sentir. Ouais, hein. Voilà. C'est pas parce que tu ressens un muscle, forcément, il va mieux travailler. Enfin, tu vas prendre de ce muscle. Moi, je sens le jugement autour de nous. Ah ouais, bah oui. On devrait mettre une pancarte. On est en expérience, là. Expérience sociale, ça sert à rien de nous regarder. Je te jure, ils vont plus nous faire rentrer à limite, Park. Ça me fait mal, limite, ici, à l'insertion des pecs. Ouais. C'est archi désagréable. Bon, vivement qu'on passe sur le deuxième exercice quand même. Le deuxième, ça va être sympa. Le deuxième, je pense que c'est un. Je vais le faire avec du sérieux, tu vois. En vrai, ça peut être un bon exercice d'échauffement, tu vois, c'est tout, pour amener du sang dans les pecs. C'est quoi? C'est quoi? Non, tu fais ça. Oh, j'ai une image en tête, gros. Pose le disque, pose. Je me suis dit, il faut que je lui sorte aujourd'hui. Mais tu peux pas leur partager ça. Non, rigole entre nous, tu les mets de côté, c'est pas bien. Hein. Zouini. 3 séries, hein, c'est bon. Bah oui. En vrai, si je les prends encore plus bas pour augmenter l'amplitude. Je regarde où est-ce que je vise. Je fais attention à mon aim. Franchement, c'est vraiment éclaté au sol. Hein. Ah ouais. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Celui-là à ne pas reproduire chez vous, les gars. On va passer à quelque chose de plus intéressant. Le prochain, il faut aller au bench. Tu vois, là, tu parles mon langage. Là, je sais que là. Là, tu parles ma langue. Bon, là, les gars, on passe au développé couché. Larsen. Un cousin à moi. Sûrement. Je sais plus trop qui c'était. Mais on va faire du 3 fois 8 répétitions avec 3 minutes de repos. Et ça, c'est un exercice que les powers font beaucoup pour justement être meilleurs sur leur bench. Ouais, je sais, je connais. Moi, je connais. Bah, explique-leur. Quand on fait du bench, vous le savez, il y a une technique à prendre en compte. Ça va être le leg drive. C'est vous allez pousser avec vos jambes vers l'arrière, transmettre la force des jambes dans le haut du corps. Là, vous allez bench avec les jambes droites qui ne touchent pas le sol. Je leur montre. Il va vous montrer que lui et sa bite, là, vas-y. Voilà, vous allez bench comme ça. Mets les pieds droits. Ouais, le mieux c'est de mettre les pieds droits parce que là ça. Je peux m'aider quand même en plus. Tu mets les jambes comme ça et là c'est impossible de t'aider. Et une fois que tu réutilises le leg drive, t'es censé pouvoir prendre plus lourd. Bon là on va juste chauffer hein, les gars. Parce que l'exercice d'avant il servait à rien, clairement. Ah, on est bien installé, ouais. Oh là. Oula, faire attention à l'équilibre. Donc lui, c'est un super exercice, les gars. On le conseille. Moi, d'ailleurs, il est dans mon TWM. Moi, je ne sais plus dans quel mois je l'ai mis. Je crois, mois de juin, on fait du développé Larsen, les gars, pour tous les abonnés du TWM. Ah ouais, non, c'est sans les pieds. Ouais. Mais au calme, il allait faire son petit leg drive à 60 kg. C'est toujours la même charge. Hein. Après, on passe à la vraie charge. On arrête de jouer à la dinette ou... Ouais. Moi, je passe direct à la vraie charge. Parce que je ronfle. Tu mets combien? Bah, mes 100. Je vois que t'es chaud. C'est des choses que j'aime entendre. Disque de 20. Je fais une petite série de chauffe encore avec ça et on fait les séries de travail après. Ah parce que ce gars-là il croit que je vais travailler à 140 kg. Hein. Et sans les jambes en plus. Avec le fibre. Tout le monde il bench 185. Tant que t'as le fibre pour t'aider, normalement c'est bon. Ah d'ailleurs j'ai une technique pour me placer si jamais tu veux. Tu fais ça. Ouais. Hop. Ok. Maintenant. Une fois que t'es arqué, là tu poses les pieds. Ouais. Tu serres tes omoplates et là t'es placé incroyablement bien. Ok, mais maintenant tu m'enlèves ses jambes. Voilà. Et ensuite je m'échauffe. Et c'est tu benches qu'avec les pecs. Wow. Ah là, il peut pas tricher les gars, il y a que les pectoraux qui rentrent en jeu. Depuis quand c'est ma technique qui me permet de bench? On sait très bien que j'ai une technique éclatée au bench, donc. C'est quoi ça? C'est vrai que t'es né comme ça, je crois. On a failli tuer quelqu'un là. On nous balance des discours. Non, il était là, mais il était au bord. Première série ou pas? Première série. Tu vas être surpris par la charge, je te le dis. Bah je le sais, sans les jambes. On va se mettre derrière pour l'équilibre, le temps que tu te places et je vais te la tenir. La barre. Ouais, et t'es un peu beaucoup trop proche à mon goût. Aide-moi là à soulever. C'est bon. Je lâche. Yes. T'en as fait que 7, tu m'as escroqué une là? Non, j'ai fait 8. J'en ai compté 7. Bah, j'ai compté 8, les gars, au pire. Je kiffe la muscu, tu vois. Là, c'est un exercice. T'es un malade mental. Parce que là, ce qu'on a fait avant, ça m'a saoulé. Oh, non, c'était pas un exercice. Vas-y, mets juste 10 en plus, on va voir ce que ça dit. Toujours plus. Non, mais je fais. Moi, cet exo, je l'ai jamais fait. 120 kilos. C'est simple, je ne l'ai jamais fait. Après, on est sur du 8 reps, donc ça peut passer. Tu vas m'aider à prendre la barre. Par contre, 3 minutes de repos, hein, garçon. Ouais, bah, et moi, c'était de l'échauffement avant, donc ça compte pas. Moi, je peux pas m'entraîner avec toi sur les pecs. Mais si. 1, 2, 3. Il se passe quoi là? T'as mis combien? Tiens, non. T'as mis combien de l'autre côté? Non, il y a le même poids, 50 et 50. T'es sûr? Ouais. Bah, aide-moi à la prendre, parce que moi j'ai pas poussé à fond. 1, 2. Non, t'es un mytho, il n'y a pas 120. T'es un gros mytho. Ah si, cousin. T'es un gros mytho. Ah. Il y a un problème de disque ou pas? T'es en off. Non, il y a un problème ou pas? Non, 50 et 50. C'est quoi? Je vais me placer normal et ensuite j'enlève les jambes. Après, t'as bien mangé ce matin? Ouais. Vas-y, 1, 2, 3.
Gros, non, la vie de ma mère qu'on s'est trompé dans les poids. Essaye de la prendre. Essaye de la prendre. Gros, je sais pas si c'est moi. Essaye de la prendre. Il y a un problème. Après, c'est 120. Non, gros, là, il y a un problème. Tu la sens pas lourde ouf? Bah, elle décolle, hein. Je la sens lourde ouf, je sais pas comment ça se fait. Je suis choqué. Pourquoi je la sens lourde ouf comme ça? Finalement, je suis peut-être meilleur que toi au bench. Bah non, je la sens lourde, je sais pas comment ça se fait, gros. J'ai bench il y a 3 jours, j'ai bench 150 en série. Genre là, tu vas me dire que tu sais plus bench 120 kilos. Bah, je sais pas ce qui se passe, gros, que je te dis. Peut-être ta blessure encore à l'épaule, non? Non, je sais pas, ça me paraît lourd. Puis t'étais à l'hôpital la semaine dernière. Ouais, aussi, mais ça me paraît lourd d'un coup, je sais pas comment. Moi, je peux pas tout porter tout seul. C'est une dingue. Ok, enlève tes mains pour voir. Enlève tes mains juste pour voir. Dégage, recule, bouge. Éloigne-toi du banc maintenant. Va te faire enculer plus loin, j'ai compris le problème. Allez, dégage. Maintenant, j'ai compris, en fait, je portais 120 plus lui. Je me suis dit, mais putain, je sais plus bench. Mais c'est un abruti, il y a vraiment cru. Et mon cousin, je te fais confiance, moi. Maintenant, j'ai compris, il n'y a pas de famille, c'est bon. Ah ouais, c'est léger maintenant, ça me paraît trop facile, c'est de la potentiation, Zebi. Allez, montre. Bien, ouais. Bah ouais, bien, ouais. Tu m'as fait de la potentiation à 300 kilos, frère. Il m'a fait peur, je me suis dit, putain, je suis devenu nul au bench. En 2 jours, la vie de ma mère, j'ai perdu tout. Là, il était prêt à insulter des mères. Là, je me suis posé des questions, ouais. Attends, je te baisse la charge. Non, t'as fait 120, laisse-moi faire au moins. Tu vas faire 4 reps. Bah, c'est pas grave, j'essaye. Je fais une série, on a la deuxième série, là. Deuxième, regarde. En fait, si moi j'arrive à faire 120, je sais qu'il va chauffer, il va faire plus pour vous. Il y arrivera pas, je m'inquiète même pas. J'ai pas envie qu'il s'arrête à 120. Il y arrivera pas, je m'inquiète zéro. Aide-moi juste à la porter. Quand t'auras fini de t'échauffer, tu me diras. 1, 2. Je mise sur 4. Il me connaît, ce bâtard. Passera pas. Il me connaît. Bah, aide-moi alors, enfoiré. Là, tu me rends dessous. Ah, bah, je vais mourir. Il m'a dit, je vais mourir. Bon, maintenant, teste au moins 140. Non, pas en arsène, ce serait trop dangereux. Je sais. Non, mais je suis derrière, je t'aide. Vraiment, je fais pas l'enfoiré. C'est pour les abonnés. J'ai essayé. Mets des plaques de vin. Allez. Putain. C'est comme ça qu'on chauffe qui mousse. Un petit 140 sans les jambes, c'est impressionnant quand même. Lui, il fait trop le modeste. Prends une autre plaque, go. Prends une autre plaque de vin là-bas. En plus, à chaque fois, les mecs de Arras, ils me disent, ouais, c'est quand tu me ramènes qui mousse, c'est quand tu me ramènes qui mousse. Si je te ramène, tu fais 120 kilos bench, ils vont plus vouloir de toi, gros. Un petit 140 sans les jambes, toi, t'as pas besoin de 3 minutes de repos. Si. T'es fou, ça m'a bien tamponné là. Ah, je les ai sentis moi aussi. 8 reps à 120, c'est quelque chose quand même. Après, ça va, mon ambition a été bonne. Tu perds qu'une rep comparé à quand tu mets les jambes. Ça veut dire que ton leg drive, il pue sa grand-mère. Ah, moi, je sais que je prends tout. Ton leg drive, il pue la merde. Moi, je mets que des pecs en fait. Autant moi, il est pas top, mais toi, il est vraiment dégueulasse ton leg drive, ça veut dire. C'est pas mon fort, je suis pas un power, gros. Faut que tu le travailles parce que ça veut dire que tu peux aller chercher 120 x 8 avec. J'ai déjà fait 120 x 8. Non, mais je te parle de ton niveau actuel, pas de. Ah ouais. De Prime Didio en cure, là, d'accord. Comment ça en cure? En cure, ouais. Je n'ai jamais fait de cure, les gars. Au final, on a de l'aspiration pour les prochaines séances. Si vous aimez bien le concept, les gars, on le refera sur d'autres muscles. J'ai failli rentrer dans ta veine, hein, je te le dis. J'étais pas loin. J'aimerais bien avoir une descendance, donc attention à tes mouvements brusques. T'aimerais bien métisser toute la France, on l'a compris. Donc là, il y a 140 kilos et tu vas le faire sans les jambes. Ouais. Et tu penses qu'il vaudrait tant de natif encore? Oui. Fin du jeu, hein. S'il est natif, fin du jeu, les gars. Fais pas le compte, parce que là, c'est déjà vraiment lourd. C'est lourd. Vas-y. 1, 2, 3. Et allez, on dirait qu'il fait bronzette, l'enfoiré. Ok. Il bronze avec mon PR, c'est pas tard. Allez. Pose les jambes, excuse-moi. Pose les jambes. Si, c'est tout. Tu peux pas poser les jambes et montrer la différence? Bah, j'aurais posé les jambes, je l'aurais fait voler, gros. Tu vois, c'est là qu'on voit que j'ai un bon leg drive parce que 140, j'ai déjà fait 140 x 15. C'est là que tu vois que le bench, c'est un exercice complet qui travaille tout le corps. Et que la technique est importante. Si vous avez une bonne technique sur le bench, normalement, vous sentez vos quadriceps, les gars. Et même votre dos parfois. T'as mis 100? Ouais, tu m'assures? Ça se voit, vous? Plus jamais ces gros plans. Je posais mes pieds, j'allais t'en rechercher 4-5. C'est vraiment difficile. Je sais pas, je suis à combien. 8. Moi, je termine à 100. 100 kilos, c'est une charge lourde. Ça m'a bien cramé, là. Il y en a beaucoup qui dénigrent 100 kilos au bench. C'est une charge lourde, les gars. Ça fait 10 ans que je m'entraîne. C'est une charge lourde pour s'échauffer. Je la sens. Une bonne charge de chauffe. Ouais, mais je parle pas avec toi. Je parle qu'avec des mecs natifs, moi. C'est une bonne charge de chauffe. Franchement, si vous échauffez à 100, c'est excellent. Que décharger, tu dis que 100 kg au bench, c'est pas lourd. C'est l'échauffement. C'est bien pour vasculariser un petit peu. On envoie du sang dans les pecs, on est content. Et après, toi, on passe au récharge. Pas que du sang dans les pecs. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Toi, tu fais des manières dès qu'il y a la caméra, de toute façon. 100 kg, albino, c'est du vent pour toi. T'as pas fait 140 avant. Pourquoi ça t'a cramé? Ouais. T'as pas vu que la 5e, je l'ai vraiment grind, elle a mis du temps à monter. Ouais, mais 40 kg de différence, ça va voler, là. Ça va te paraître tellement léger. Ah, je sais pas, avec le ramadan, c'est dur. Hein. J'annonce, je vais te chauffer
un peu, tu fais 20 répétitions à 100 kg. Je les ferai pas. En Larsen, je les ferai pas. Je suis sûr que tu es capable de le faire. Donne tout, je suis sûr que tu es capable. Ah, mais j'irai pas chercher les 20. Ouais, parce que t'as pas envie, tu fais parce que le but, c'est pas de se blesser. Mais tu vas pas te blesser à 100 kg. C'est de l'eau pour toi. Mon mouvement, il va se dégrader pour aller chercher les 20. Et je le ferai pas. 100 kg sans jambes, ça fait un réel à 1 million de vues. Non. Je PR quand même plus que toi sans les jambes, alors que toi, tu mets les jambes. Hein. Mais Albino, je parle pas avec toi au niveau pec. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, la semaine dernière, je t'ai vu faire des tractions en vidéo, c'était pas ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Gars, mais je ne fais pas de traction, moi. C'était quelle vidéo? Ah, c'était la vidéo où on appelle les youtubeurs. Elle a pas fait beaucoup de vues, c'est un super concept, n'hésitez pas à la voir. Et il y a Pimous qui traction. Moi, je ne fais pas de traction, moi. Juste commenter, sympa les tractions de Pimous. Elles sont excellentes. Vraiment, les la technique. Super, super bonne ces tractions. Ah, franchement, c'était dégueulasse. Je le sais, mon corps, il est pas fait pour des tractions. Mais par contre, au bench, tu niques tout le monde. Ouais. Donc vas-y, fanfaronne, c'est ta séance. Boum. Ok, 5. 10, allez. 15, je le connais comme si je l'avais fait, 20 facile. Allez, encore 2. 1. Et 20. Comme ça, il est content. C'est pas moi qui suis content, c'est tes abonnés. Ils te regardent parce toi, que t'es content. L'homme fort. Tu m'exposes comme si j'étais un objet, voilà, t'as moi, pas je, honte. Moi je suis là, je dis, les mecs, regardez-le. Ramenez-moi de la YouTube Monnaie. C'est un objet, moi. Pimous, ramène-moi de la YouTube Monnaie. Sale merde, va. En vrai, toutes les vidéos, ça va être Pimous Bench. Non mais c'est incroyable. Ah putain, c'est quand? Mais eux ils se rendent pas compte parce que eux dans leur tête là c'est vicieux. T'es pas naturel gros. Parce que moi si je te connaissais pas, ils ont raison. Je dirais que t'es pas naturel. Ils ont raison, pas naturel. Moi je sais que c'est impressionnant. C'est ça que je veux entendre. Bon, troisième exo. Troisième exercice express, c'est ça, c'est la même chose que le premier. Là on va pas le faire. Mais jusque là on peut mettre plus de poids en fait. Voilà. Donc forcément tu peux le compter comme un exercice. Mais ça reste honnêtement éclaté. Déjà c'est pas du tout naturel de pousser comme ça serré. Si demain t'es bloqué en dessous d'un truc, tu veux le pousser, tu vas pas le pousser comme ça. Tu vas bien te mettre comme ça et pousser. C'est logique, c'est juste de la logique. Et ça il est vendu comme quoi on peut cibler avec cet exercice l'intérieur des pectoraux. Alors qu'on peut pas le cibler. Les gars, ça n'existe pas. Vos fibres elles partent d'ici, elles vont là-bas. Tu peux pas cibler qu'une partie. Bon, je leur montre en même temps, mais. Oh là là, non gros, c'est trop bizarre. Je suis même pas bien centré pour te dire. Je le sais. Parce que le banc ne passe pas. Décale-toi un peu. À gauche. Non mais je vais faire un côté dans ce sens là et un côté dans l'autre. Quoi? Bah là je suis plus moi, sur mon pec gauche. Tu pourrais te décaler un peu dans le vide. Bah ouais mais après t'es pas stable si tu veux mettre. C'est le... léger, c'est de la Smith. Ouais quoi que ouais si ça va. Là t'es milieu. Bon là c'est l'échauffement hein, les gars. T'as l'impression hein, que ça peut être un bon exercice. T'as failli mourir là non? Mais, tu vois il y a trop de détails. Déjà là vu que c'est une Smith je peux pas la re-raquer tout seul, ça veut dire faut être deux. Et en plus ouais la prise ben elle bouge gros. À tout moment tu meurs là. Ouais mais là en fait si personne ne m'aide je suis bloqué là. Donc j'attends ton aide. C'est déjà maintenant. Ouais bon c'est dans ces moments. Je me dis pourquoi on fait ce genre de vidéo. Je pars sur une première série, hein. Je mets 60. C'est du FF, hein, les gars, si je voulais que je vous dise. Je vais pas mettre lourd, c'est une évidence. Il y a que sur notre chaîne, tu verras des trucs comme ça. En la fait, semaine dernière, on a fait pour un PR au Rowing Boucheron à la barre. C'était incroyable. On a fait un PR à 70 au Rowing Boucheron. L'année dernière, je sais pas si tu te souviens, mais on a inventé une méthode de force, le Fort Fusion. Ouais, c'était de la grosse merde par contre. Oh, maman, on sait plus quoi faire en fait. Aïe, hein. Mais la vie de ma mère, comment tu veux être centré? Bah non, tu peux pas, tu vas être dans le vide un petit peu. Un petit peu beaucoup. Elle vient filmer sa tête aussi. J'ai une espèce dans le vide. Vas-y, Derak, aide-moi. Oh, c'est éclaté. C'est éclaté de ouf, hein. C'est un exercice qui existe. Il y a des mecs sur TikTok qui te le vendent, gros. Ils allaient se faire foutre. Vas-y, Rorak, c'est de la merde. Faut le faire avec un step, déjà. Avec un step? Ouais, faut le faire avec un step, ça. Faut avoir plus de place. Ouais, ouais, là, t'as pas de place, gros. C'est impossible. Ouais, mais je voulais mon petit confort, quand même. Possible. On met un peu plus. Je me suis fait mal. Albino, va falloir que tu m'aides. Tu vas te démerder, gros. Non, là, je vais me blesser. Ah ouais, non, ça commence, gros. Des racks? Bah, pousse ta race. Ah ouais, faut que tu travailles aussi. Tu veux pas faire du cœur, là? Démerde-toi maintenant. Comment t'arrives à te centrer? T'es trop maigre toi aussi. Tu fais des séries quoi de 12? 12. Vas-y rack. Vas-y baisse. Baisse, baisse, baisse. Ah ouais non. Je me laissais dans le dos. Dès la deuxième, troisième répétition, je l'ai senti dans mon dos. Je te l'ai dit. J'ai voulu quand même finir la série. Ça me fait mal au dos aussi. Mais en fait, le problème, c'est que le banc, il est pas centré. Ça veut dire que j'ai un côté de mon dos, de mon corps. Mon dos, du coup, il est dans le vide. Et du coup, vu que t'es dans le vide, en fait, tu compenses. C'est de la merde. Là, j'ai senti ça tirer. Ça m'a tiré côté droit. On essaye avec des steps. Ça, je suis chaud. C'est parce que j'avais essayé à 40 kilos, moi, la première série. Regarde ce qu'il fait faire. Hein. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est normal de faire des trucs pareils? Même moi, ça m'a fait super mal, gros. Là, ça sera peut-être un peu mieux. C'est mieux? C'est de la merde. Ouais, c'est toujours de la merde. C'est ma dernière série de cette exo de merde. Vas-y, rack, c'est fini, je refais plus. T'as décidé? Ouais, ouais, j'ai décidé que je refais plus de série, ça y est. Ta vidéo, elle allait faire une je ne fais plus de série de cette merde. C'était ma dernière série de cet exercice de moi, merde. Moi, je vais ça rester à ce point-là avec un bon ça banc. Ça me fait trop mal au dos. Ça fait mal quand même au dos. C'est vraiment de la merde. Les gens qui recommandent ça, sachez qu'ils savent pas s'entraîner. Bon, moi, voilà, c'est des gens qui savent pas s'entraîner. C'est des gens, ils font 30 kilos au bench, ils ont la haine, donc ils inventent des exercices, des variantes. Ouais, pour performer. Voilà, performer sur la blessure, c'est tout ce qu'ils vont performer. Un petit coussin là, ça serait pas de refus. Tu veux mettre ma bite en dessous si tu continues de joigner. Mais moelleuse. Non, non, elle va pas être moelleuse. Pousse. Allez, démerde-toi maintenant.
Me dis pas qu'il est bien installé. Hein. Bah, c'est mieux que tout à l'heure déjà. Oui, mais c'est de la merde quand même. Moi, ça me tirait dans le dos à mort. Pas me laisser dans la merde. Exercice de merde. Je le ressens quand même au niveau des pecs, hein, mais il y a tellement mieux à faire, les gars. Mais il y a tellement de contraintes, surtout. Bah ouais. En fait, tu te poses des problèmes alors qu'il n'y a pas de lieu d'être, tu vois. De contraintes. Genre, à la limite, si tu veux faire du serré, tu vas sur des machines pec assis où ils ont une prise neutre comme ça, un peu plus serrée. Et tu fais ça, tu vois, et en plus, ça converge. Il n'y a pas besoin d'emmerder tout le monde à prendre la seule Smith de la salle pour faire un truc pareil. Je crois maintenant, si je vois un mec faire ça, il bloque la Smith alors que j'en ai besoin, je vais l'insulter sa mère. Exercice à bannir. Ah oui, clairement. Autant les autres, ça allait, celui-là, c'est de la merde. Quatrième exercice, écarté, landmine, unilatéral. Donc ça, c'est l'exercice de Alex Villani. C'est pas pour autant que je vais lui faire des cadeaux, hein, je te le dis. On est d'accord. Si c'est de la merde, c'est de la merde. On va essayer, on va voir ce que, comment même ça si rend. J'aime bien Alex. Il le fait beaucoup dans ses stories Insta. Il le fait avec deux landmines en plus. Nous, on va le faire en unilatéral, là. Barre à vide parce que c'est dur. Hein. Ah, y a pas besoin faut de mettre pas croire, elle fait 20 kilos, la barre. En fait, tu sais pourquoi j'ai l'impression que c'est bien? Ça converge. Bah ouais, j'ai l'impression que ça travaille vraiment dans le sens des fibres des pectoraux. Mais en vrai, tu peux très bien le faire aux haltères. Ah oui. C'est bien pour varier. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que les haltères. Tu fais combien de reps au juste? 10, pardon. On a fait 13. Wesh. Si tu vois un mec en salle faire ça, tu lui dis quoi? J'ai vraiment l'impression d'être ridicule. Je pense que je lui dépose une haltère à côté, je lui dis je t'en supplie. Hein. Alex, arrête tes conneries. Ton gros physique, c'est la génétique, c'est pas les exercices, on le sait. On le sait que t'as une génétique de gorille, il faut que tu mettes ton pied là-bas au-dessus. En fait, lui, c'est un mec aussi, mais... tu vois, il se fait vite chier à la salle s'il fait toujours je la même sais, chose. Je le sais. C'est pour ça que tous les mois, il change. Il y a des nouveaux va exercices. Va mettre ton pied sur la barre, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec les je vais TWM. Te le dire, si c'est de la grosse tous les merde. Mois, vous avez des nouveaux exercices, des nouveaux programmes. Non, moi, c'est pas des nouveaux exercices, c'est juste les méthodes qui changent. Les méthodes qui changent, ouais. Mais en soi, les exos, c'est. Je vais pas te mentir, je m'entraîne toujours de la même façon. Vous allez bien avec vos beats, là. Je te la tiens sur la barre ou non? Je te la tiens juste pour pas qu'elle se déraille. Tu me la tiens comment? Bah en vrai, si je me mets comme ça, c'est très bizarre, moi. Tu veux que je t'assiste? Non, j'aime pas. Pour d'entrée de jeu, premier rep, j'ai mal à l'épaule. J'ai vraiment mal à l'épaule. Si je prends plus bas. Et tu sens beaucoup le biceps sur ce genre d'exercice, mais ça, c'est même au et niveau même des même, je suis déstabilisé de ouf. Je peux pas me tenir à quelque chose. Après, ça, c'est l'unilatéral qui fait ça. Non. Non, on arrête la vidéo. Non. On remplace. Non, c'est tout, on fait celui-là. Non. Si tu veux pas le faire, on le fait pas. C'est pas que je veux pas le faire, c'est que ça m'encule l'épaule en fait. Comment t'as fait pour faire 13 reps? Comment il a fait pour faire 13 reps? Non, mais c'est tout, c'est lui qu'on présente. Donc toi, comment c'est t'as fait pour faire 13 reps? Bah, moi, il me faisait pas mal. Après, c'est tout, il est pas fait pour toi, tu vois. Après, c'est ça le problème avec les exercices qu'on connaît pas. T'as pas l'habitude de travailler dessus, meilleur moyen de se blesser. Faites bah, des celui-là-bas, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on l'arrête. Non, celui-là, c'est juste que je pense que mon épaule, elle aime pas. Vaut mieux faire des choses simples, des trucs qui marchent, que de faire des trucs bizarres comme ça. On l'essaye quand on fait nos 3 séries. Je te laisse l'essayer. 3 séries de 10, on voit ce que ça donne. Je te laisse l'essayer, je vais remplacer, moi, en attendant à côté. Cherche la blessure, lui. Ouais, il cherche la blessure. Ah non, mais. Je veux expérimenter. C'est la première et la dernière fois que je ferai cet exercice. Je veux me faire un avis dessus, vraiment. Je vais faire des pompes juste une fois qu'il a fini, comme ça me fait un exercice. Pour rentabiliser la salle. Tu fais quoi, Joanie? Ça m'extermine. En vrai, pourquoi tu te mets pas carrément de l'autre côté? Comment? Ça allège là-bas tout au bout, moi, ça allège. Gros, j'ai l'impression que je fais un PR. Tiens-toi ma jambe, avec l'autre bras. Et voilà, les exercices. Je peux monter un peu. Vas-y, j'arrête ces conneries. Il y a vraiment des gens qui arrivent à le faire, moi j'y arrive pas. Alex, comment il fait? Déjà, je pense que si t'as deux barres, c'est bien, c'est que ça t'équilibre ouais, déjà. Équilibré. L'équilibre, déjà, t'as plus à t'en soucier. Le prochain, tu sais ce que c'est? C'est pire, c'est la vérité. Non, c'est en vrai, ça va. Mais ça va te rappeler un souvenir de Maître Cal, tiens. Ah, ça y est, je sais c'est quoi, c'est bon, c'est un bon exercice. Mais on va le faire à la barre. À la barre, t'es chaud? Ouais, on va pas le faire aux haltères. Vas-y, on le fait avec des bumpers, comme ça c'est surélevé un peu pour se glisser en dessous. Ou alors des 20, comme ça c'est surélevé, on peut se glisser en dessous facilement. Non, le but c'est de le faire au sol. Ouais, au sol, c'est ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Développer le coucher à la barre, mais au sol. Et ça, c'est bien, tu sais pourquoi? Pour les triceps, c'est pas mal ça. Non, encore mieux. Réfléchis, pourquoi c'est bien? Vas-y, fais chauffer. Ça réduit l'amplitude. Non, vas-y, fais chauffer le cerveau. Imagine-toi, tu t'entraînes, t'as travaillé toute la journée, tout, t'arrives à la salle, il est 17h30. Ah, t'as pas besoin de matos, tu prends juste une barre, des disques et c'est parti. Y a pas besoin d'avoir un banc, les gars, vous vous mettez comme un clochard au sol et c'est parti. Faux. Donc là, on va charger, on va voir. 20 et 20 20 et 20 pour voir déjà. Ça peut être un excellent exercice pour travailler la partie haute du développé couché. Exactement. Par exemple. Et là-dessus, tu sens bien les triceps. Et nous, en plus, on va le faire en prise serrée pour encore mieux les recruter. Par contre, bien sentir ta bite aussi. L'installation. Si t'es tout seul, c'est pareil, c'est le même bordel. Là, tu vois. Moi, ça passera pas, ça. Non, mais je peux pas. Dis, tu es maigre, bâtard. Oui. Non, mais le problème, c'est que si je suis seul, je peux pas, en fait, me mettre en place. C'est-à-dire, t'es obligé de m'aider. Si t'es on obligé peut. De le faire à quelqu'un. Ah ouais? Je pense qu'on peut. Vas-y, je fais comment? Tu fais un hip thrust, tu l'envoies en l'air. Non. Tu fais un hip thrust, tu l'envoies en l'air. Ok, il y a moyen, il m'a chopé. T'as vu? Tu trembles. Comme une pute.
Elle parle bien. Allez. Allez, Joanie. Non, en vrai, ça va, 60. Travailler en série longue. Recule tes pieds. Et voilà, il fait du bruit. Je voulais faire un peu le bonhomme, tu m'as traité de pute en début de série. Je suis une salope. Tu te sens pas viril quand tu claques les barres? Je suis une salope. Bon, t'emmerdes tout le monde dans la salle. Bah, moi j'ai pas besoin de ça pour me sentir homme, personnellement. Après... Allez, vas-y. J'ai rien à me prouver, moi. Ouais. Moi, je crois à mon hétérosexualité, il n'y a fort, pas de problème. On rajoute un peu de perf. C'était Attends, vraiment trop léger. Tester, déjà. Non, c'était vraiment léger. Ouais, mais faut quand même que je teste. En vrai. Tu veux pas reculer pour voir? Non, juste pour voir. Moi, je veux juste t'assister. Hein. T'as pas besoin de m'assister, regarde. Non, mais au cas où la barre elle tombe, tu vois, moi je suis là. Je bouge ton gros cul. Pédé, vois. Ah, tu vois, ça vole. C'est un truc à se faire mal au poignet si tu fais pas attention. Tu vois, je te dis pourquoi? Comme quand tu fais ça, ça t'arrête net sur le sol, toute la charge elle va sur ton poignet si tu fais pas gaffe. Ah, faire attention aux actes. Bon, là, on va dire que c'est une série de chauffe. Oh, là, c'est une série. C'est pas mal en vrai. Hein. Ça va, c'est sympa. S'il n'y a pas de bande dispo. Franchement, autant faire du bench, mais si t'es un mec qui veut optimiser. Le bench, par exemple, tu peux faire du Larsen. Ça, ensuite du bench, comme ça je travaille vraiment toutes les parties de ton bench, en séparé. Rajoutez quand même un écarté dans la séance, au moins vous travaillez dans tous les sens des fibres et là c'est nickel. Bah et franchement, moi j'ai toujours été un mec qui prône les exercices de base. Ah ouais, bah... J'ai jamais fait d'exercice à part comme ça. Bien sûr, y a pas besoin de se compliquer la vie en muscu. Hein. J'ai toujours fait des exercices d'homme. Vas-y, aide-moi. Attention, attention, ouais. C'est pas un rack là, hein, Joanie. Ouais, c'est ça le problème des installations d'arabes. Aide-moi là, c'est pas possible. Je suis sûr que je vais mourir sous la barre. 1, 2. Et c'est lourd sa mère. J'avais oublié fin de séance. Ouais, nique sa mère. Les... Gare, essaye de faire retomber un petit peu sur le sol. Tu vas sentir tes poignets. Ouais. Tu sens? Ouais, ça fait super mal. Bien amortir. Heureusement, t'as des gros triceps et des gros bras. Sinon, tu peux la glisser en bas quand t'as fini. Ça marche aussi. Je l'avais, ouais. Bah non, je suis bloqué. Non, vas-y, fais-moi confiance. Non, vas-y, je la jette derrière. On parie combien? Je la jette derrière. On parie combien? Vas-y. Hey, t'as une sangle abdominale fine, hein, t'inquiète pas, hein. T'es pas gros. Hein. C'est dangereux ce qu'on fait. Toutes les semaines, gros, j'ai l'impression qu'on cherche à se blesser. Toi, jusqu'à ce que tu me blesses, t'essayes, j'ai remarqué. En fait, il regarde, c'est comme à limite avant la blessure. Comme ça, une fois que je suis blessé, hop, il récupère Fitness Fusion, c'est fini. Mes abonnés, hop, tout l'argent. Ouais, en vrai, non, c'est mieux comme ça. Voilà, regarde, c'est plus, je suis placé sans qu'il fasse l'homosexuel. Mais c'est toi, t'as commencé à mettre des steps et tout. Parce que tu me faisais mal au cœur. Petit thrust et c'est bon. Sachant que thrust, tu peux mettre des grosses charges, normalement, ça devrait aller. C'est les triceps que tu sens surtout? Je sens rien. Oh, c'est vraiment la séance la plus bizarre de toute ma vie. Je sens que les épaules. Et on est censé faire une séance pec. Je suis fatigué, ça y est. Je crois que le pire, c'est pas la séance, c'est de le suivre lui qui me fatigue le plus. Moi, j'ai rien fait. Attention! Je voulais passer, qu'est-ce que tu fais par terre? Tu passes nulle part. Tu sais qu'il y a des bancs dans la salle. Tu passes nulle part. C'est la pire séance que j'ai faite. Ah ouais, non, c'est vraiment la pire séance. Genre, en plus, je prends aucun plaisir. Hip thrust, et tu sais, tu fais un levier avec tes bras pour la claquer dessus. Voilà. Yep. C'est pas pour FKN. Oui. Allez. Vraiment des séances de merde. Je vous en supplie, ne faites pas ce que les mecs de TikTok montrent. Ah, les séances d'influenceurs là. Je me suis enculé les poignets. Donc les gars, si vous voulez qu'on refasse ce type de séance bizarre sur un autre muscle, des likes, des commentaires, vous nous le dites. Et on... Bras, jambes, il y en a des exos. Ouais, jambes, tu le disais, il y en a pas mal. Mais flemme. Franchement, flemme, hein, mais ça peut se faire. Flemme. Là, je suis pressé de refaire des jeux de loi, des duels de testo. Des vraies vidéos. Des petits feats. Voilà, c'était n'importe quoi aujourd'hui, les gars. On vous a balancé ça. J'espère quand même que ça vous a plu. Et bah attention avec les produits, Pimousse. Bah, c'est toi, tu m'as mal fourni. Hein. Tu m'as donné de la merde. Hein. Et les gars, bah, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans nos vies lorsqu'il n'y a pas de vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Pimousse YT, Didio Fitness et Fitness Fusion. Et ensuite, pour qu'on continue YouTube, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah oui, c'est vrai, on a des trucs à vendre quand même. C'est le moment de vendre, c'est ça? Ouais, bah on s'est donné corps et âme. Alors, déjà, un truc le plus important, c'est que maintenant on travaille avec Broadway. Ils ont sorti leur whey, il y a le collagène, il y a tout sur le site. Vous pouvez tout avoir, multivitamines, créatine, etc. Bientôt le pré-workout. Avec le code Fusion, vous avez 10% de réduction et vous nous aidez. Ça fait partie de la marque la moins chère du marché. Meilleur rapport qualité-prix, meilleure qualité tout court. Et à chaque fois, on taquine un peu à venir parce qu'on lui dit de payer, les gars. Mais c'est quand même grâce aux commissions qu'on touche par rapport à vos ventes qu'on arrive à faire des bonnes vidéos comme ça. Donc, les gars, merci du soutien. Continuez. On en a toujours besoin. Chaque mois, c'est irrégulier en plus les ventes. On sait pas ce qu'on va faire le mois prochain. Mais en tout cas, premier mois, vous avez tout déchiré. Donc, merci les gars. Et oubliez pas, si jamais vous voulez un gros physique aussi, on a sorti des programmes. Vous avez deux packs. Le pack Fusion et le pack Evolution. Et ça, c'est un jeu vidéo, les gars, qu'il faut finir à 100%. Et une fois que vous avez terminé les 6 niveaux, vous avez atteint les, top 100, voilà, les 100% de votre physique, vous les avez. Donc, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à commencer avec le premier programme. Et si vous avez un peu plus d'expérience, vous pouvez commencer sur le deuxième, troisième programme. De toute façon, tout est indiqué sur le site internet. N'hésitez pas à aller voir. Bon, les gars, on est focus sur vous. C'était Fitness Fusion, force et fun.